Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très très bien. On se retrouve pour la suite du 100 Baby Challenge comme d'habitude le mercredi et le vendredi à 17h30. Mais il me semble qu'aujourd'hui ce sera un jour exceptionnel où la vidéo sera postée plus tôt parce que oui, il y aura un petit live spécial. Bref, je vous en dis pas plus. Mais enfin bon, c'est pas bien grave. Et comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu l'anarchie là entre le bébé qui pleure, personne s'en occupe. Le pauvre petit Olivier s'est fait dans la couche, il n'y a personne qui le nettoie, c'est catastrophe. Bref, on va essayer de remettre tout ça dans l'ordre. Là, les enfants sont devenus des ados, ils vont pouvoir aider. Pourquoi ils pleurent? Change-lui la couche. Non? Non? Tu vas le nettoyer. Plus de choix, soin donné au bambin. Donner un bain de mousse. Quant à toi, il est jeudi. Est-ce qu'ils ont fait leur devoir? Faut oublier qu'il faut qu'ils aient un A pour devenir des adultes. Non. Mais il a l'air fatigué. On va le laisser se reposer quand même. Quant à la maman, alors vous m'aviez fait remarquer dans les commentaires qu'il fallait que je me concentre peut-être aussi sur les aptitudes. Vous voyez, un SMS énergisé, on va faire ce genre de petites choses. Alors, tiens, envoyer un SMS énergisé. Garder la télé communautaire. Garder la chaîne communautaire, on va se concentrer sur ça. Je ne sais pas combien elle a de points par contre. Ah non, la salle de sport, non, je crois pas, non. Ah oui, c'est vrai que... Est-ce que j'ai acheté la salle, pardon pas la salle mais une machine pour faire du sport? Je ne pense pas parce qu'il serait peut-être temps qu'elle se mette au sport également parce que ça ne va plus. 100 à propos de centre d'intérêt commun. Allez courir, ah oui. On va demander plus de choix. Tapping énergisé. Bah tant pis, allez, va courir. Terminer l'écriture d'un livre. Ça, on peut garder. Et ensuite, c'est quoi? Faire du mauvais. Ouais, non. Pas le temps pour du bénévolat, hein. Là, vraiment. Cette famille-là est surbookée, c'est limite. Faudrait que les gens fassent du bénévolat pour aider cette famille-là, en fait. Voilà, essayer de faire son sport. S'enthousiasmer, bref. On va faire ça avec lui. Amical. Arrête de pleurer. Y'a pas? Alors, nourrir au biberon. Hop, nourrir au biberon. Il a vraiment envie d'aller se coucher. Hein. Et après, ouais, tirer à dormir parce que là, ça va plus. Quant à son frère, est-ce qu'il est bien? Il est bien, on va le réveiller. Et il va donner à Olivier. Bah, il lui a pas donné un bain tout à l'heure, j'avais demandé. Donner un bain de mousse. Et ensuite, regarder la télé, regarder un film. Elle est rentrée, catastrophe. Attends, parce qu'il y a quelqu'un là. Et en plus je crois que monsieur, oui voilà effectivement monsieur Geoffrey Plenosa sera peut-être la prochaine cible pour un éventuel, une éventuelle fécondation. Donne un coup de hanche à quelqu'un. Donne-lui un coup de hanche. Le mec il vient à peine de la rencontrer, elle va déjà lui mettre un coup de hanche. Il va le trouver très chelou. Bon, tant que ça les amuse, pourquoi pas. Oula, ils se sont fait écraser par une voiture, là. Faire des pompes. Faire des pompes. Oula, il a... Fou, il a des ailes. Il a des ailes de fée. Oh, non, non, non. Bon, bah, avant de regarder la télé, ce sera changement de couche. Mais, normalement, il l'a nourri. Oh là là, catastrophe. Prendre des restes. Regarder un film. Tout le monde est triste. Ah, et les enfants? Oh mon dieu, ils ont faim. Ils ont très très faim. Oh, attendez, fou, faut que je me concentre. Quinzel. En plus, le gâteau, je l'ai pas mis au frigo. Oh, cocu, ils auront qu'à prendre du gâteau, tiens.
prendre un morceau. Tu te réveilles. Lui, bah, t'ira d'abord prendre un morceau. Et après, t'ira dormir. Aïe, 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 aïe. Attends, parce qu'il est en train de se barrer. S'enthousiasmer à propos des centres d'intérêt. Allez, enthousiasme-toi. S'enthousiasmer, y a pas. Voilà, ici, parfait. Voilà, tu fais ça, on revient ici. Lui a besoin de dormir. Lui, il s'occupe déjà des enfants. Il est extrêmement tendu, c'est catastrophe. Aidez-moi, s'il vous plaît, on n'a pas le droit d'avoir de babysitteuse. Merde! Oh non, j'ai oublié! Julien est végétarien, non! Oh mon dieu, j'ai oublié qu'il était... Ouais, ça c'est chiant par contre, parce que voilà, c'est très aléatoire, hein, on choisit pas. Et j'avais oublié que nous avions les traits, le trait végétarien. I'm sorry, je suis désolée Julien. Bon bref, bon, maintenant que t'y es, hein, tu manges, tu finis. Mais il mange quoi du coup? Soupe de palourde. Oh ça va. Palourde, ça, c'est les fruits de la mer, non? Bon toi tu rentres, hein, parce que c'est catastrophe. En plus tu n'auras pas la salle de sport, c'est mort. Tiens, va lui donner nourrir, allaiter. Ça je le range. Elle a besoin d'attention, ils ont qu'à parler ensemble, ouais. Voilà. Elle aussi, elle a besoin de dormir, elle a faim. On va voir combien de points qu'elle a. C'est dans quoi déjà les points? Ah, attendez. Oui, en même temps, voilà, hein, reproduction. Ouais, c'est là-dedans. J'ai quand même 7820 points. Et si je vais dans les derniers, jamais fatigué, il me faut 10 000 points pour prendre jamais fatigué. Et toujours rassasier les deux là, c'est les trois là, hein, forcément. Il y a aussi vessie d'acier, il me semble, qui est pas mal. Bon, c'est pas la priorité parce que la vessie d'acier, de toute manière, la vessie, on la vide, enfin, on la remplit assez rapidement. Vessie d'acier, c'est 2000. Sans gêne. Non, d'abord, on va prendre jamais fatigué, toujours rassasié, toujours propre et vessie d'acier dans l'ordre là. Bah, bref, si on y arrive, hein, parce que là, il ne reste plus non plus beaucoup de temps avant de vieillir. Hein. Ah, et pour ça, le mieux, c'est de faire ça aussi, hein, écrire des livres excellents, publier 10 livres. Mais pour le moment, elle est fatiguée, elle veut faire quoi? Elle me dit pas contempler. Ah, j'étais en train de me dire, non, tu vas pas commencer une toile maintenant. Bon, tu mangeras quand tu te réveilleras. Va dormir. Mais ça va, il est plutôt pas mal. Ah, tiens, va le nourrir. Et les devoirs ne sont pas faits, bien éventuellement. Ah si, tu l'as fait ses devoirs, lui. C'est son frère qui a pas fait les devoirs. Pas le temps de faire de projet scolaire. Il est vénère. Il est vénère. Je veux du sucre. Ah, il va... Non, non, non. Briser. Non, non, tu casses pas. Non, 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 non. Mais c'est une usine à crottes. Mais non, mais je m'en sors plus. Je ne m'en sors plus. Il faut qu'il aille jouer avec. Il faut qu'il fasse quelque chose avec. C'est qui? C'est Olive. Hein. C'est Olive? Oui, c'est Olive. Le truc, il est cassé toujours. Voilà. Passer du temps ensemble, ça va aller. Ça va aller. Tout va bien se passer. Et lui, on va le réveiller. On va lui demander de prendre des restes. Regarder un film. Et puis, toi, tu n'as pas fait tes devoirs, mon très cher ami. Avec ses petites ailes. Non mais lol. En fait, c'est une diva. C'est une diva. Non! T'es sérieux? T'as tout cassé? T'aurais d'aller sur l'ordinateur et va réparer. Hein. T'avais qu'à t'occuper de ton petit frère aussi. Hein. On t'est puni, tu répares. Bah tiens, va lui apprendre à parler. Passerai un petit... Oula, c'est une catastrophe.
Oh non, mon dieu, mais... Oh, mais c'est pas possible, ces gamins, hein. C'est pas possible. Bon, bah, c'est pas grave. Il pleurera un petit peu, hein. Au bout d'un moment, il s'arrêtera. Il fait ses dents, c'est normal. Pas du tout. Est-ce qu'il a fini... Non, il va seulement commencer ses devoirs. T'es obligé d'aller faire tes devoirs ici. Il y a une belle table au milieu du salon, tu sais. Oh là là. Oh là 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 là. Mais il a faim. Oh non, non, non. Oh mon dieu. Respire, Quinzel. Il faut que tu respires. Ça va bien se passer, ou pas? Toi, va te reposer. Tu vas en avoir besoin. Du coup, s'il y en a un qui a faim, l'autre, il va commencer à avoir faim aussi. Prendre une portion et après, t'iras te rendormir. Je pense que le gâteau, il a pas dû les rassasier. Rassasier. Mais c'est pas possible, il peut pas avoir faim. Tout le temps, en vrai. Ils ont tout le temps faim, ces bébés. J'aurais donné à manger tard. Non, c'est pas ça, c'est pas la faim. On est d'accord. Putain, je vais vraiment les perdre, hein. Il y a vraiment une assistante sociale qui va passer, vous allez voir. Si je les apaise et qu'ils pleurent encore, c'est qu'ils ont faim. Bon, bah, ça, voilà. Vessie, hop. Douche, hop. Et après on est bien je crois hein. Après on est plutôt pas mal. On commence un petit peu à rehausser le niveau là. Parce que c'était catastrophique. Et la maman elle est comment elle? Elle va se réveiller, elle va cuisiner. On va mettre servir le petit déjeuner. Et on va faire des pancakes. Quelque chose végétarien. Les pancakes normalement ça passe. C'est de la farine, du lait. Ah non, il y a des œufs dans des pancakes. Bon, on verra bien si ça passe ou pas. On verra bien. Ah tiens, va les nourrir. Au biberon, ouvrir. Au biberon. Ah mais non, aller au lycée, oh, c'est fini en fait. Lui, il va au lycée. Oh là 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 là, donc du coup tu vas allaiter, hop, tu vas allaiter, changer la couche sale. Mais non! D'abord tu t'occupes tes enfants, non? Ou non, c'est pas assez optionnel. Oh mon dieu, c'est catastrophe, c'est dur, hein. C'est vraiment très très dur, là je m'en rends compte, c'est terrible. Après, t'iras d'abord aux toilettes, t'iras manger, t'iras prendre une douche. Alors, le dernier contrôle de... Ah, ils sont déjà rentrés. Non. Ah, j'ai eu peur, je veux dire, ils sont déjà rentrés, mais non, il est 10h du matin. Le dernier contrôle de maths de Pierre était loin d'être son meilleur. Il a obtenu une note médiocre qui pourrait vraiment faire baisser sa moyenne. Doit-il demander à faire du travail supplémentaire pour améliorer sa note ou juste tenter d'avoir une note parfaite la prochaine fois? On va marquer quand même tenter d'améliorer sa note. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Le professeur de Pierre le laisse avoir des problèmes supplémentaires et préfère le voir comprendre le concept un peu en retard que pas du tout. Pierre lui en est très reconnaissant, effectue le travail et gagne quelques points supplémentaires pour sa note. Gain de performance petit, mais gain quand même. Donc c'est pas une perte et ça, ça fait plaisir. Oh ça va, bon on va laisser pleurer un petit peu le bébé, hein, tant pis pour lui. Bah tiens, si tu veux, tu peux regarder un film en même temps, ça te fera augmenter... Pourquoi je voulais lui faire prendre une douche, moi? C'est qui appelle? Pierre a été surpris en train de jouer sur son téléphone au lieu d'écouter la leçon. Un avertissement devrait... Ouh là, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Un avertissement devrait suffire à augmenter la résolution de conflit, diminuer... Ouais, bref. Veuillez lui confisquer son téléphone, ce cours devrait être sacrément ennuyeux. Ah, ça, c'est le prof, en fait, qui me demande ce que je veux faire. Ce cours devrait être...
Bah, on va marquer un avertissement. C'est la première fois. Du coup, ce sera un avertissement. André Sanchez a donné des conseils à l'école de Pierre pour gérer la situation. La responsabilité de Pierre n'est plus compatible avec l'obtention du trait de caractère responsable. Ok, d'accord. Ouais, elle commence à être de mieux en mieux, hein. Il y a plein d'assiettes qui traînent. Vas-y, va prendre une douche, on va lui demander d'écrire un livre parce que là j'en peux plus, je suis au bout de ma vie. Je suis vraiment au bout de ma vie là dans ce game. Ce jeu là me... Ouf. Non. Vous imaginez, on aurait eu des triplés. Encore pire. Blaise le blaireau, lol. On va reprendre l'écriture de Blaise le blaireau. Manière les enfants vont arriver. Oh ça va, ils dorment. Par contre, attendez, parce que eux, ils dorment. Ouais, bon, on va les laisser dormir, ils ont pas faim. Qu'elles dorment, c'est pas bien grave, y'a pas de soucis. Hein? Je préfère encore ça que qu'ils cassent tout dehors. Mère indigne, quoi. C'est vraiment une mère indigne. Mais bon, que voulez-vous que l'on fasse? Je crois que je vais devoir faire une séance de yoga après cet épisode. Réellement une séance de yoga, parce que là, je n'en peux plus. Alors, ils sont rentrés. Alors, lui, hop, tiens, va regarder un film. Puis après, t'ira dormir. Il lui change la couche, on est d'accord? Même pas. Ah bah, c'est bon. Se met d'épée en A. Yes! Oh non, c'est vrai, il a eu un A? Ah non, il a eu un B. Mais c'est le week-end. C'est le week-end? Ouais, le week-end, ça va nous aider à finir peut-être leur éducation pour qu'ils aient un A à l'école le lundi. Quant à lui, il a faim. On va lui demander de prendre des restes, de faire les devoirs. Voilà, ce sera déjà pas mal. Quant aux enfants, ils vont peut-être commencer à avoir faim, non? Non, ça va, tranquille. Bon, on va laisser encore un petit peu. Mais les deux, ils ont besoin de prendre un bain. Ouais, ouais, ouais. Les deux ont besoin de prendre un bain, ça c'est sûr. Mais vous savez quoi? On va commencer à leur donner quand même à manger. Ça va. Alors, ouais, leur faire prendre un bain. C'est l'anniversaire de Théa, c'est que le temps peut passer vite. C'est l'anniversaire, ok. Donc aujourd'hui, on peut faire grandir les deux bébés. Le problème, c'est que les bambins n'ont pas encore fini. C'est-à-dire qu'il va falloir que je rajoute un lit. Sinon, il n'y aura pas assez de lits pour dormir chez les bambins. Il a très mal au ventre. Ah, attends, il a très mal au ventre. De quoi? De pourquoi? Je pense qu'il commence à avoir faim. Il va les nourrir. Est-ce qu'elle a fini son livre? Oui. Vendre un éditeur, Blaise le blaireau. Est-ce que c'est un livre excellent? Non, pas... Si, c'est un livre excellent. Du coup, elle va publier, on va finir ça. Combien que ça va nous donner de temps, je ne sais pas. Mais bon. Voilà, laisse-lui, on va la laisser finir, lui donner un bain. Le deuxième aussi, il va falloir lui donner un bain. Oh mon dieu, il est en train de fouiller le caca dans le fond des toilettes. Madame Toilette, s'il te plaît, il y a un problème. va lui donner un bain de mousse. Et là, du coup, nous avons fini ici. Donc là, on est à avoir gagné 25 000 signes plus de droits d'auteur. On est qu'à 15 000. Et atteint le niveau 10 de la compétence écriture, terminer 3 best-sellers, va falloir faire beaucoup d'écriture, je crois. Allez, donne-lui un bain. Il a besoin de divertissement, on va lui demander d'aller jouer à l'ordi, hein, carrément. Mais, non, 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 non.
Non, 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 qu'est-ce que je t'ai demandé? Tu donnes un bain, c'est qui? C'est Olive. Tu donnes un bain à Olive. Donner un bain, tant pis pour le bain de mousse. Donne un bain normal. Ah, c'est bon, hein. Olive a très faim. Attends, stop, 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 stop. S'il a très faim, priorité à la bouche, je veux pas qu'il soit avec tout le mal que je me suis donné à éduquer. Ces enfants, je ne veux pas qu'ils me les prennent. Priorité à la nourriture. Olive va prendre une portion tout de suite. Toi, bah, va regarder un film. Ouais, ou tu vas jouer avec, ça va aussi. En plus, c'est le week-end, et ils vont bien pouvoir m'aider. Faut dire qu'il y a une super fête à la boîte de nuit en ce moment, même, ça te dit d'y aller. Non, pas tellement. Alors, on peut faire grandir maintenant les enfants, vu que leur anniversaire a été annoncé. Je pense que je vais faire ça. Je vais déjà, juste pendant ce temps-là, rapidement ouvrir mon générateur. Mon second écran. Heureusement que j'ai été un second écran. Il est où à chaque fois je mets 30 ans à le retrouver dans les favoris. Et j'ai beaucoup de favoris. Hein. C'est pour ça aussi. Ah voilà, random tree. Ok, on y est. On va pouvoir. Bah tiens, on va demander à la maman de les faire grandir. Qu'est-ce qu'elle fait? Changer d'âge. Donc ça c'est pour la première petite fille. Et là, Théa. Je vais vous dire ça tout de suite. Donc Théa. Oh, en plus il y a l'image dessus, on voit rien de chez rien. Alors, Fussy, Fussy ça veut dire... Oh non, Fussy c'est... Fussy c'est... Il me semble que c'est pénible. Je sais plus, j'ai un doute. Fussy, traduction, difficile. Bah, difficile, je pense que c'est pénible. Du coup, on va mettre pénible. Ah mon dieu. Ah mon dieu, ça va pas du tout nous aider. Oh mais elle est toute jolie. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Bah, il y a un petit loulou qui est venu. En plus, le chien, il a réussi à ouvrir la porte. Bon, tu vas faire grandir pour qu'elle ait le même âge. Tu vas faire grandir aussi. Ça, c'est Cléa. Donc, c'était Théa et Cléa. Et random. Et là, donne-moi un truc cool, s'il vous plaît. Donnez-moi un truc cool. Clingy. Ah non, Clingy, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vois l'image du gamin, c'est pas bon. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Clingy. J'apprends des mots. Apprenez l'anglais avec, un zèle. C'est collant. Ah non, je pensais que c'était... je pensais que c'était espiègle. Mais en fait, ça c'est peau de colle. C'est pas... On n'a pas eu le meilleur. Parce qu'honnêtement, j'aurais préféré, si on regarde... Tomber sur Angélique, ça aurait été mieux. Même sur charmeuse, curieuse, indépendant, dynamique. Franchement, les pénibles, peau de colle, espiègle, c'est les trois, je pense, les pires. Et encore espiègle... Ça a l'air plutôt pas mal en fait, raconter des blagues. Non, ça va. On va dire que pénible et pot de colle, c'est les pires. Bah, pénible, c'est le pire de pire. Par contre, pot de colle, c'est le pire dans le sens en soi, c'est pas mauvais, tu vois. C'est voilà, c'est même flatteur pour une maman d'être collée par son petit bébé. Mais là, dans ce challenge-là, être collée, c'est un peu plus compliqué puisque il y a beaucoup d'enfants à gérer. Mais bon, tant pis, on n'a pas eu de chance sur ce. Voilà quoi, sur ce tirage, mais bon, c'est le jeu, voilà, c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein, comme on dit. Bref, en tout cas, j'espère que l'épisode vous aura plu, on se donne rendez-vous mercredi ou vendredi 17h30 pour la suite de, bah, du 100 Baby Challenge. En attendant, moi, je vous souhaite de vous porter bien, voilà, et à bientôt.